Et salut tout le monde et bienvenue sur un petit live donc sur Aladdin le Roi Lion qui est sorti récemment sur PS4. Donc je vais commencer par la version Mega Drive d'Aladdin et je vais aller crescendo jusqu'à la version Game Boy à noir et blanc, Game Boy Color, et après je passerai au Roi Lion et je vous montrerai un peu les menus. C'est parti. Donc pas de surprise, ça reprend la version Mega Drive, donc c'est les mêmes graphismes, sauf qu'on peut avoir là le plein écran et on peut choisir la grandeur de l'écran qu'on veut. On peut avoir l'écran classique comme sur la Mega Drive, donc plus petit, soit l'HD. Donc les boutons, c'est les mêmes. On peut balancer les pommes, les coups d'épée, sauter. Voilà, on shoot les... Ah ! Donc je disais, on shoot les ennemis. Et sinon, c'est la même chose. On va dire un chouïa plus joli peut-être. Étant donné qu'on peut le voir... Enfin, que ça prend tout l'écran. Hop là. Alors après, déjà à l'époque, le jeu était loin d'être moche. Faut dire ce qui est. Sur Mega Drive, les jeux Disney, enfin que ce soit sur Mega Drive, Super Nintendo, sur la NES, tous les jeux Disney, enfin quasiment tous, étaient super fidèles au grand classique en fait. Et je suis toujours aussi nul. Ah! Alors la maniabilité c'est la même. Enfin perso j'ai repéré les boutons plutôt rapidement. Ah! Alors, mais c'est pas possible. Donc moi je trouve le jeu super joli franchement, même si c'est la même version que la Mega Drive, on reconnaît bien Aladdin. Alors c'est pixelisé comme sur la Mega, mais franchement le plaisir est toujours là d'y jouer. Et je suis mort, ça commence bien. Ouais, je vais essayer de passer le premier niveau quand même. Eh mince. Donc les musiques c'est les mêmes aussi, hein. C'est toutes les musiques du film. Donc là c'est Prince Ali et je suis en train de perdre de la vie encore bêtement. Donc c'est Prince Ali, donc de toute façon la version Mega Drive reprend toutes les musiques d'Aladdin. Donc Ce Rêve Bleu, Prince Ali, Mon Meilleur Ami. D'ailleurs je vous montrerai tout à l'heure, il y a même un menu où on peut écouter tranquillement toutes les chansons. Donc on fera le tour. Je vais quand même essayer de finir le premier niveau. Mais casse-toi toi avec tes pots. Bon, le but c'est aussi d'attraper tous les items, pas de faire comme moi et de tous les éviter. Et de toute façon je dois monter. Allez, bon là je peux pas remonter. Petit checkpoint. Nanana. Allez, tu peux le faire. Ouais, c'est bon. Quelle esquive. Alors le jeu est vraiment super maniable. Peut-être même un peu plus que sur la Mega Drive. Contrairement à ce que j'ai pu lire sur Facebook, des gens qui disaient qu'il était compliqué à manier. Personnellement,
vois pas trop la galère. Après, c'est soit on est mauvais, soit on l'est pas, j'ai envie de dire. Mais bon, le jeu était aussi galère que sur la... aussi galère sur la Mega Drive, et je suis encore mort connement. Heureusement qu'il y a les checkpoints. Alors, une des nouveautés du jeu, c'est que... Ouais, voilà, on peut sauvegarder, il me semble. Et mince. Voilà, on peut sauvegarder la partie. Donc, je vous disais, pour les écrans, il y a l'écran étiré, l'écran net, le plein écran. Donc, je vais vous montrer. L'écran net, ça donne ça, donc c'est vraiment petit. Le plein écran, ça donne ça. Et l'écran étiré, bah, ça donne ça. Alors moi, je préfère l'écran étiré. Je trouve que bah, ça reste joli. Ça. Ah oui, on peut choisir aussi donc avec les filtres. Donc le filtre arcade, ça donne ça. Je trouve pas ça spécialement joli. Le filtre télé. Donc là, ça pique les yeux. Et sans filtre, voilà. Moi, je préfère sans filtre. Donc les bordures, bah, c'est pour rajouter en fait des trucs derrière l'écran quand vous y jouez. Voilà, donc moi je remets l'écran étiré. Et après, bah, y a les contrôles, on peut les modifier. Bon, je vois pas l'intérêt puisque je trouve très bien comme ça les contrôles. Donc, ah, je crois que j'ai oublié des trucs là. Bon, je reprends les vies. Il va boire, il va buena. Donc j'ai essayé de finir le niveau, comme ça je vous montre la version Game Boy et Game Boy Color. Et mercredi. Hop là. J'ai presque plus de vie. Enfin, de. Si, de vie. Il me reste une vie. C'est pas énorme. Hop, oh, checkpoint. Ah, des cœurs, c'est ça que je veux. Voilà. J'ai récupéré. Alors le plus compliqué, c'est de récupérer de l'énergie. Parce que les vies, il y en a un peu partout. Et on est reparti. Allez, on va essayer de finir rapidement ce niveau-là. Allez là, j'ai perdu toute ma vie pour rien. Ah, des pommes, ça on en a tous les kilomètres, tous les mètres même, je dirais. Oh, une tête d'abou. Eh mince, il fait quoi lui? Je t'ai jamais demandé de pousser un truc, mais bon, c'est pas grave. Ah, je crois que j'ai terminé le niveau. Ah bah non, c'est pour acheter des vies. J'ai jamais voulu acheter quoi que ce soit, mais c'est pas grave, ça me l'a acheté tout seul. Donc, du coup, j'ai acheté un vœu apparemment. Donc je savais pas qu'Aladin pouvait acheter des vœux. Je croyais qu'il en avait que 3, mais c'était pas grave.